ce matin. Donc mise en place des ferries qui soutient la porte. Les deux sont sous pression. Là, ils sont sous pression, mais ça pose. Avec l'aide aussi de deux jeunes de Roubaix. Ah, c'est bon. Nous, visuellement, on est bon ici. Ça dépasse pas. On va aller vers l'autre côté. Les de Roubaix vont venir nous aider, il n'y a pas de problème. Tu passes dans la lumière. Eh, t'as vu ça? Je préfère rester quand même. Ouverture donc de la future porte d'accès entre les deux zones. Bientôt mise en place des pavés dans le hall de la salle polyvalente. Et pendant ce temps-là, ça avance aussi au niveau façade. Ils sont en train de remettre la deuxième couche de peinture sur les lattes du bardage. C'était quelques mots sur le chantier de ce samedi matin. Bonne journée à tous.